Et salut tout le monde, c'est Titouan Game aujourd'hui sur le premier épisode de la série sur PvZ2. Enfin, putain, je peux enfin y jouer, c'est génial. Attendez, je vais répéter toujours si c'est fermé. Bien sûr, hein. Bon, et c'est parti du coup pour le premier épisode du Let's Play. Bon, je vais essayer de faire 30 000 par épisode, ça va? 30 000 par épisode? J'espère que oui. Toujours avec les mêmes bugs, toi-même, tu connais les bails. Encore ça ira plus tard. La même intro qu'on avait comme pour le premier. Ce gars-là, c'est encore mieux vu que t'as les engrais et tout. Voilà, c'est trop stylé. Sauf qu'en plus, on peut aller beaucoup plus vite grâce à l'accélérateur. Eh, c'est cool, hein. C'est bon, ça commence. Je mets toujours l'intro en premier. Alors, voulez-vous lancer l'XXL de pompe de zombies? Ouais, vas-y, hein. C'est quand même marrant de se dire, il y a plus un dinosaure dans notre jardin, quoi, tu sais. Mais on s'en fout. On va faire comme le premier, l'intro, hein. Parce que là, désormais, les soleils nous emportent 50 par soleil, en fait. Et plus 20. Ou 25. Ou je sais plus combien. Non, je crois que c'est 25. Donc, ouais, c'est beaucoup mieux qu'avant. Ouais, 50 directement, quoi. C'est ouf. C'est juste génialissime, quoi. Attendez, j'ai pas de problème au niveau du son. Techniquement, j'ai fait en sorte que le son soit convenable pour vous en augmentant le son système. Attends, je vois peut-être l'augmenter encore un peu. Rien que pour vous, hein. Ça va être génial parce que comme ça, les plantes seront plus rapides en même temps de la recharge et au niveau des dégâts. Et ça, c'est bien. Ça, c'est super cool. Vous allez voir, on va rusher le jeu, ça va être un bordel. Surtout que je fais très attention et je suis très attentif par rapport au jeu. Pas comme Tira qui lui oublie tout le temps d'améliorer ses plantes, bordel. J'en peux plus. À chaque fois il oublie de les améliorer et tout. T'as même un message du jeu qui dit rappelle ta noix à améliorer et tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en fout totalement, il passe à autre chose. Il passe à la suite. Le but de l'amélioration, c'est que c'est plus simple pour gagner. Bon après j'avoue que niveau challenge. On peut voir le pyramide de la mort, mais après les autres niveaux encore, hein, c'est pour moi beaucoup plus compliqué. C'est vrai que l'exit antique. C'est beaucoup plus simple. Et oui, moi qui ai déjà joué au jeu et qui ai déjà terminé l'exit antique par rapport juste au premier boss, pas comme tu as, mais le premier Docteur Zombos boss d'Egypte, je l'avais déjà terminé. Bam, le tournesol. C'est entre stylé comment on ramasse les plantes, quoi, tu sais, elle vole et hop, je la ramasse comme ça. Allez hop, tu vas avec moi, toi. Donne de soleil, bah, voilà. Au moins la description est claire et simple. Donne de soleil. Que ça. Ah mon dieu, je vais vérifier s'il n'y a toujours pas de problème du micro parce qu'on va encore pour une vidéo pour le 20e épisode de The Medic vs Cadaver Plus qui est la vidéo que vous avez vue du coup avant la première vidéo du Let's Play sur Plants vs Zombies 2. Et bah du coup bah il n'y avait pas de son micro, j'avais totalement oublié de l'activer encore une fois. Ah, ça m'énerve ça des fois, mais c'est vraiment super simple. N'importe quoi. Là, par contre, dans le dos, je peux en mettre une rangée de tournesol. Pas besoin d'en mettre deux, juste une, ça suffit largement. Et vraiment. Je peux encore en rajouter, mais. Ah, mais on peut accélérer, c'est bon. Putain, ça va plus vite. Oui, on peut déjà l'accélérer. Moi, je pensais qu'il fallait attendre plus longtemps en fait pour pouvoir après accélérer. Mais là, on peut déjà le faire. Bah, autant le faire, hein, c'est encore mieux. En plus, ça lag même pas, mais c'est encore mieux, putain. Pourquoi je faisais pas ça avant moi? Ah, c'est même parce que j'avais pas la technique de Kira. Ouais, probablement. En plus, même les tirs des plantes sont aussi rapides que les zombies qui avancent. Bah, c'est encore mieux. Après, peut-être pas pour les tournesols au niveau de la récupération des soleils. Ça, je sais pas encore. Mais mec, les dégâts, c'est vraiment les mêmes comme s'ils étaient là, en fait. En mode normal, quoi. Donc franchement, il y a moyen qu'on fasse tout le jeu avec ça. Parce que putain, on est déjà rendu à ça. Bah, ça va vite, hein. Je vais à combien de temps? 4 minutes. Oh, ça va. Je peux encore le faire, hein. Bon, je peux encore en rajouter, hein, comme ça ira encore plus vite.
C'est le mec qui fait que ça quoi. Mais regardez la recherche comment elle est rapide et tout. Non, mais c'est trop stylé. À la fin du dernier tour des Excel ou dernier niveau de ce parti-là, on débloquera le tacos. Et la Vlogo voudra le remanger encore une fois. Vous savez le tacos qu'on avait eu dans le 1. Bah là on va gagner une sauce piantée qui mettra sur son tacos pour l'ajouter et pour pouvoir le manger. Et voudra le remanger. Le problème c'est que ce jeu est interminable. Je n'ai jamais pu le terminer. Pourtant j'ai essayé. Hein. Sur tablette, sur PC, sur du coup Boostack, j'ai tout essayé. J'ai pas réussi. En même temps, je n'adoptais pas la technique de Kira. Peut-être pour ça. J'ai quand même réussi à battre Docteur Zombos dans l'Égypte un petit une fois. Oui. Et vous, Jamy? Faut que je l'attaque ça. Ah putain, d'accord. Là, ils vont expliquer le coup de la pelle et tout. Un instant. Oui. La Venago? Non, même pas. Pire, c'est qu'ils sont en position comme si elle tirait sur nous. Non? Oui, merci, je connais le jeu, j'ai déjà joué. C'est bon. Ils nous donnent des plans directement prédéfinis, quoi. C'est marrant. Mais non, ils ont des niveaux. Ils nous donnent des plans, des fois, dans des niveaux prédéfinis, quoi, tu sais. Tu peux pas choisir. C'est spécial, donc c'est bien. Au moins, ça nous permet de découvrir des plans qu'on n'a pas encore. Mais le plan, je les connais à peu près tous. Parce que je veux dire que le jeu, j'ai joué à peu près tous les mondes, j'ai tout essayé, tous les mondes du jeu. Des jeux. C'est ce que je dis. Et du coup, j'ai tous testé, tous les mondes, je les ai testés. Et c'était très bien. Du coup, j'ai combiné les plantes qui étaient dans d'autres univers. Et franchement, le combo était génial. Surtout la noix futuriste. Alors, celle-là, c'est la meilleure des noix. Ce qu'elle fait, en fait, elle fait avec l'engrais une barrière, en fait. Sur toute la zone. Sur toute la zone. Sur une ligne. Une ligne tout bam toute la zone quoi. C'est trop utile. Franchement la noix du futur c'est trop la vie hein. Mais vraiment. J'ai mis une petite lampe là pour m'éclairer au niveau de l'éclairage hein. Même si je suis pas un youtubeur professionnel, on s'en fout totalement. C'est ma vie, voilà. Ça mais le jeu on le rush de malade mental là. C'est le rush de la vie hein. Putain c'est trop stylé. Oui, je fais vraiment attention à tout, à tous les détails, pas comme Kira. Oh, j'arrête de faire le malin. Vous allez voir, je vais vraiment arriver au stade où il rentre Kira, tellement ça allait vite. C'est n'importe quoi. Je sais pas si vous avez marqué, mais on est déjà rendu à la fin, on est rendu à la vague. Voilà, si vous voulez faire une blague par rapport au vlog et tout, mais c'est pas trop foiré. Et je parle français ou quoi là? Non, c'est juste que je suis content d'y jouer. Surtout que pour y jouer, j'ai dû remettre le mot de passe. Parce que oui, j'ai mon passe pour mon compte Gmail. J'ai dû du coup le mettre ici. Et oui, et du coup, bah, sans faire exprès, j'ai supprimé les autres jeux. De toute façon, le premier, on l'avait terminé. Du coup, je suis premier. Hein. Ça sert à rien de revenir dessus. Hein. La mine patate, toi-même. Tu connais les bails. Et puis sur les programmes aussi. Ça va beaucoup trop vite. Explosion contact, elle me prend du temps à marcher. Et pas bah, quand tu mets l'engrais. Elle s'amorce directement et en plus elle en met d'autres, deux autres, hein, des endroits où il n'y a pas de plantes. C'est aléatoire. Et comme ça, bah voilà quoi, c'est super simple. Voilà, franchement, ça va être trop facile. Faire la rangée de tour en sol et hop, après voilà mon gars. On a juste besoin de faire ça et puis c'est bon. Hein. C'est trop bien, franchement, 50 par 50. Ça, c'est vraiment super utile. Ouais, on ne peut jamais mettre les pistes pour et tout. Alors qu'avant, mais je mettais du temps à les mettre. Hein. Vraiment. C'était 1000 ans. Pam, ah mine, non, du coup ça l'enlevait. Et oui, Jamy. Faut que j'arrête avec, c'est pas sorcier moi. C'est sûr, on n'est pas des sorciers. Surtout que dans le jeu, il y a des sorciers zombies. Eh oui, Jamy. Faut que j'arrête. Ah non, mais. Depuis que j'ai vu en cours une émission, c'est pas sorcier, sur les trucs là de loi, je sais plus quoi. Bah maintenant, avec Fredo la menace et l'autre là. C'est n'importe quoi, j'en ai mis en cours. Donc, ouais. Des fois en cours, on se tape vraiment des barres. C'est vraiment des délires, je vous jure, c'est vrai. Mais ça part vraiment loin, hein, je vous jure. C'est du grand n'importe quoi. Mais des fois, enfin, c'est plus en anglais, ça. Hein. Et vraiment, on se tape des barres de ouf et tout. Surtout parce qu'en fait, il y a des élèves dans notre classe qui arrêtent pas de faire du bruit et qui sont pénibles à tout le temps parler, hein. Et du coup, bah, la prof, elle les clash. Je vous jure, c'est vrai, c'est pas une blague. C'est la première fois que j'ai vu une prof clasher des élèves. En vrai. Putain.
C'était trop drôle quoi, vous auriez dû venir et voir ça franchement, mais je pouvais pas filmer vu que c'était à l'intérieur et pas dans mon portable et tout. Donc voilà, moi je respecte le règlement hein. Parce que j'avoue que j'aime pas trop quand il y a trop de bruit et tout, voilà, toi tu connais les bails. Donc ouais voilà quoi. Là faut mettre un plus et puis c'est bon là. Quoique non peut-être pas. Oh si ça va le faire, encore plus, allez hop. J'en mets 4. Ah bah là si le zombie passe c'est un problème là. Là c'est l'équivalent de double pistolet en fait, tout simplement. Ah t'as dû mettre une noix en fait, je suis un peu con. C'est pas grave. Non franchement, c'est tranquille, au calme. Ah toute première pièce. Oh oui, Jamy. J'étais trop cool. Bah comme les améliorations de booster par exemple hein. Parce que l'amélioration avec les boosters des plantes n'était pas là dès le début du jeu. Du coup j'ai dû faire le boss sans avoir cette fonctionnalité là. Et ouais je pèse dans le game mon gars. Faut que j'arrête de me la péter. Non, mais regardez à quel point c'est compliqué, c'est une difficulté. Faut vraiment que j'arrête. Je sais pas comment on va appeler cet épisode là mais. Ah oui si je... Ah voilà. Voilà, jour 4. La sauce piquante dont je vous avais parlé pour le tacos. Vous allez voir Double Dago juste maintenant. Super. Je vais pas besoin de faire montage. Salut compagnie. Je vais pas emprunter la sauce piquante. Oh, ouais, vous avez compris. Le tacos, voilà. Je garde ce tacos depuis une éternité. C'est moi qui te l'ai donné. Même si t'avais pas la même gueule du tacos que j'avais donné dans le 1. Il dit bien, c'était incroyable. Je veux vraiment juste tacos. Il me faut marcher un bien longtemps. Bah, c'est fini, moi. C'est Double Dago. Et vous pouvez être Double Dago. T'as compris. Oui. Enfin, quelqu'un qui pourra aider. Laisse-moi deviner, il avait encore mangé le tacos, voilà. Ah, dépêchez-vous, partagez pour toute journée. Ah putain, ça y est, enfin. Il est pas trop tôt, hein. Ah, exit antique, c'est parti, bitches. Bienvenue en exit antique. Veuillez patienter environ 4500 ans, beaucoup de tacos, tout après. Ça ne sent pas bon. Mais je suis sûr que mon tacos n'est pas loin. Mais en même temps, ça plante pour moi. Et compris, avec les plantes et tout, au calme. Bon, je vais faire ce niveau-là, et après, on va pouvoir passer à la fin de la vidéo. Voilà. J'ai juste envie de faire une petite transition du début, comme ça. On fait le jour 1, et après, on passe à la suite dans un autre épisode. Hein. Je vais pas faire chier. Ça veut dire combien de temps que je tourne? 12 minutes. Oh, ça peut encore le faire. Ah, on va plus déjà. Ça fait déjà 12 minutes. Moi, oh, ça peut encore le faire en vrai. Hein. Finalement, je vais vraiment faire essayer de faire 30 minutes. Hein. Ah, il est déjà là, lui. Voyons, il y a déjà le mec. Celui-là, en fait, c'est un zombie qui, en fait, ramasse vos soleils. Et quand vous le tuez, et eh ben, c'est. Voilà, il essaie de le ramasser. Okay. Et ben, en fait, quand il meurt, et eh ben, en fait, les soleils qu'il avait rattrapés bah, se dispersent, du coup, et ils reviennent. C'est vraiment bien, hein, franchement. Voilà, il essaie de les piquer. Je vais pas vous montrer, mais. Parce que sinon, voilà quoi. Oui, il meurt direct, hein. C'est vraiment de la folie. Je l'avais pas mis au bon endroit, désolé. Mais bon, ça va tellement vite, mon gars, on n'a pas le temps de voir. Hein. Il y a même moyen de le rater le jeu, tellement vite. Hein. C'est n'importe quoi. On va même retrouver les trucs de Nunifa et tout qu'on avait déjà eu dans le premier. Il y a quand même pas mal de plantes qu'on retrouve qui étaient dans le 1, qu'on retrouve dans le 2. Par contre, c'est un peu chiant parce que énormément de plantes qui étaient dans le 1 sont des plantes légendaire, et oui, attention, là, ça rigole plus. Les plantes légendaires, en fait, il faut les payer pour les avoir. Et des fois, tu as des plantes auxquelles tu peux utiliser des rubis pour les avoir. Attention, les rubis, c'est important. Parce que ça permet aussi d'avoir les trucs là pour améliorer les plantes. Je vais attendre d'avoir des packs de cartes et tout là, avec les trucs de Pinata. Ou bien, du coup, on les achète avec les gemmes. Mais je préfère plutôt économiser des gemmes pour acheter une plante. Parce qu'une plante, ça vaut mieux que des améliorations. Parce que chaque plante a son aspect unique. Ouais. Donc c'est important. On a encore une pièce là, c'est cool. Cool la vie, hein. Ce qui me fait un total de 180. Pas mal. La première vague, après, je sais pas si on va se quitter. Hein. Bon, ça peut encore aller. Du temps. Y a pas de template de sable là? Non, c'est vrai, c'est pas encore dès le début quand même. Ils sont, ça va, ils sont gentils. C'est pas non plus des bâtards à ce point-là. Hein. Oui, on est déjà rendu à ça de soleil. C'est pas mal, hein. Après, si je faisais danger de tournesol, vous imaginez pas le bordel que ça aurait été. Hein. Tellement on va vite, c'est un bordel. Monstrueux.
Bam, le dernier, bah voilà, au revoir, salut. Salut la compagnie, on s'appelle Jackie Michel. La carte, voilà. Parce qu'en fait, voilà, la carte du temps en fait, tout simplement. Ce qui nous permet de voir les autres mondes et de voyager sur chaque monde en fait. Enfin, sur chaque époque. On dirait plutôt une carte de emplacement de ville, de pays, comme ça. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Voilà, l'interface. Bonne nouvelle, Penny a trouvé une carte qui mène à Montacos. Non, c'est pas vraiment ça. Non, c'est une carte temporelle des mondes que nous avons pouvons explorer, pardon. Avec des momies, des pirates, des cowboys. Mince alors. On devrait trouver le moyen d'accéder aux autres mondes. Pour l'instant, embarquons pour l'Égypte antique. Voilà, je vous lis ça rapidement parce qu'en fait, vu que je connais déjà le jeu, j'ai déjà joué, du coup, je connais le dialogue. Hein. Je suis spoil à 100% du jeu, moi. Hein. Je vous le dis. Je suis abonné à des chaînes et tout qui ont joué au jeu et tout, ça me parlait. Alors, du coup. Là, il y a encore un dialogue. Voilà, cette carte va indiquer la direction de Montaco, c'est sûr. En fait, c'est une carte du monde où nous pourrons trouver des plantes amies pour nous aider et. Vous attendez, la situation est plus grave que l'élection de Montaco. Voilà. Voilà, niveau 5 a été débloqué. Alors, comme vous pouvez le voir là, le garant, tu vois, que je vous parlais, niveau 8. Vache. La pyramide de la mort, le top shot et tout là. Le double pistopois. Et là, nous avons le double tour au sol. Et là, voilà, la première phase du boss, il est ici. Et là, le deuxième boss, il est ici. En fait, je pense que c'est juste le même boss, mais en plus dur, en fait. Bah, ça peut encore aller. Si je continue... Franchement, l'interface de maison, elle change à chaque monde. Enfin, à chaque époque, et ça, c'est bien. 16... Ouais, vas-y, je peux encore continuer, hein. Il y a le temps, hein. Le temps, avec OBS que je mets pour une vidéo. Il y a largement le temps. Ah, voilà l'engrais. On a 3, et après, ouais, bientôt, on va prendre 4. Ces plantes m'ont l'air affamées. Si seulement nous pouvons leur donner quelque chose à manger. L'engrais regorge de vitamines et de minéraux. C'est l'un des éléments essentiels d'un bon petit déjeuner. Voilà. Là, tu vois, on peut cliquer. Non. Je dis cliquer, voilà. Et là, voilà, on peut faire ça. On s'arrête un peu, hein. Désolé. Et c'est très fatal pour les zombies, bien sûr. Voilà, là, il nous explique les phases de tuto et tout. Hein, encore ça va. Imagine le mec qui le rate carrément les phases de tuto, quoi, tu sais. Un bon gros loser. C'est pas même. Elle est sur le point de éliminer un zombie saut. Et ça, c'est très important. Bon, il est pas encore mort, mais bon, quelques coups, il va être mort. Maintenant. J'ai dit maintenant. Voilà. Il va même pas respecter, quoi. Ah oui, voilà. Alors, les zombies qui ont une surprise comme ça, là, ce sont ceux qui cachent l'engrais, tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que l'engrais que tu utilises, si tu gardes l'engrais, tu pourras l'utiliser pour le niveau précédent, en fait, tout simplement. Si j'utilise pas. Et tellement on gagne d'engrais à chaque fois, c'est n'importe quoi. Voilà. Je me demande si l'engrais fonctionnerait sur d'autres types de plantes. Bien sûr, elle marche sur toutes les plantes, même les landaires. Hein, c'est encore mieux, hein. Encore les plantes prédéfinies, bien sûr. Hein. Tu connais les bails. C'est bien qu'il me mette déjà un pistopois ici, hein. C'est marrant. Bon, les go, on va plus vite que ça quand même, un peu toute la journée, hein. Et yo, Chami. J'ai encore dit ça. Ça, il faut vraiment que j'arrête. On a de la connerie? Et oui, l'ami! Je pouvais pas m'en passer de faire cette blague à chaque fois. Ah, pourquoi ils ne mettent pas sorcier pendant les cours aussi? Tombé! Ça n'a aucun sens! Et je parle pas d'Undertale! LOL! Par contre, tu permets la plante là qui est mal placée, oui. T'as bien servi au départ, mais bon, ouais, voilà quoi. Est-ce que je vais vraiment utiliser l'engrais? Oui. Est-ce que j'ai envie? Là, salut. Un gagnant encore, donc ça va, c'est remboursé, c'est remboursable. Comme le sirop d'érable. Oh my god, cette blague, franchement, je m'en lasserai jamais. Je m'en lasserai jamais tellement je m'en lasse jamais. Hein, les jeux de mots, mais ça s'arrêtera jamais, bordel. Ah, je suis un peu fou, quoi. Oui, je suis très fou. Oui, mon précieux soleil. Le mec qui va trop loin. Le mec qui va trop loin, on m'a appelé? Bah, t'es plutôt dingo, mais bon. Quand on met l'engrais sur les tournois de sol, en fait, ça me permet juste de gagner beaucoup plus de soleil en un seul coup. Ce qui est assez utile, j'avoue. Hein. Par contre, je sais plus, même plus si on gagne la plante souci en termes de plante utilisable. Du coup, si c'est le cas, on peut gagner un max de pièces si on utilise l'engrais dessus. Ouais, j'y ai pas pensé à ça. Ça peut être intéressant. Ouais, vous voyez, je suis vraiment malin, moi. J'ai la fourberie, hein, du geek qui a trop joué à jeu. Ah bah le jeu j'y ai joué mais énormément d'heures, vous savez pas à quel point. Je vais être celui qui a plus d'entendre dessus, non je déconne. Il y a des gens qui ont déjà joué à sa sortie.
Ça, je suis bien d'accord. Parce que franchement, l'interface de début du jeu à sa sortie est vraiment dégueulasse. La map était vraiment pas très bien designée et tout. C'était moins joli qu'avant. Donc ça s'est amélioré en mieux, donc c'est bien. Hein. Bon, Zombissot, tu dégages. Bah, putain, mais. Combien de temps là ça dure là? 20 minutes. Encore 10 minutes et on est bon. On a encore le temps de faire un niveau, hein. Largement de quoi se faire encore un niveau, au pire. Hein. Voilà, le Katachou qu'on a débloqué dans le premier. Dans le niveau des toits. Là, on le bloque directement dans les gigantes. Oui, ils vont tout nous donner. Toutes les plantes qu'on connaisse. Toutes. Sauf certaines plantes utiles qui sont légendaires, hélas. Mais c'est bien parce que des fois, tu as des mods et tout qui s'apparaissent. Voilà, avec ça. Et qui te permet du coup de jouer à ces plantes-là. Et eh oui, j'ai mis. Alors, je fais ça, je vais pouvoir gagner le pop boomerang là, jouissons. Ah, les quêtes, évidemment. Penny, regarde là, je suis au-dessus. C'est le carnet de voyage. Tu offres des conseils à un copain si nous montre notre progression. Joseph, ce n'est pas un pas de. Pff, carnet de voyage, non mais franchement quoi. Moi, ce truc m'a toujours fait des liens avec le tronc d'arbre. Totalement ridicule, je sais. Voilà, il me reste un bon enfant, voilà. Et gagner des clés du monde, ça me prend 1000. Encore 6 niveaux pour le faire. Putain. Je pense que le gars, tu as, il y aura largement moyen de le faire dans la prochaine vidéo. Hein? Largement. Tellement va vite. J'ai trouvé de la monnaie. Eh bien, merci. Penny, voilà enfin des paroles de bon sens. C'est vrai qu'il est avare. Tenez, voilà un peu de flouze. Pourquoi? Parce que je suis dingo. Merci, l'ami. Putain, j'ai mis. Mais arrêtez! Ah oui, du coup, on peut aussi acheter du coup de l'engrais avec ça. On est un peu obligé. Ça coûte 1000 quand même. Hein. Ça, c'est cher. Et oui, mon cher. Voilà, il y a les tombes qui débarquent. Et comparé au premier, quand il y avait des tombes, bah, on pouvait pas forcément les détruire avec nos plantes. Bah, là, on peut détruire les tombes avec n'importe quelle plante. Et pas qu'avec les créateurs de tombes. Et ouais. Et donc, ça, c'est encore mieux. Et plus intéressant qu'avant. Et oui, j'ai mis 22 minutes. Bon, elle est où la difficulté, mon gars? Eh ben, elle est pas là! Ah, ah, ah. Bon. Un peu de sérieux. Bah, tu nous mets des zombies? Là, il n'y a même pas de tombe. Oh, comme c'est mignon. Faut vraiment que j'arrête de me la péter. Parce que sinon, ça va se finir contre moi et je vais prendre cher comme pas permis. Non, mais, hé. Hey. De d'un coup. Vous êtes sérieux, mon gars? Je commence à exploser là. Ah, bah merci. Ah, tiens, je vais vous montrer, tiens, justement. Bam. Vous voyez, hop, maximum de soleil. Eh ouais, mon gars. Merde, je vois que je l'ai mis ici. Pff, je suis con. Oh, c'est pas grave. De toute façon, c'est le même équivalent. C'est le même équivalent que le pistebois. Faut vous dire que le jeu a vraiment été amélioré. Les plans sont beaucoup plus magnifiques que dans le 1. Donc ça c'est vraiment un bon avantage. Oh, je crois on va mettre deux là, allez hop. Voilà. Et quand on met les engrais sur les catachous, ça fait vraiment une pluie de catachous et enfin de choux sur tous les ennemis et ça fait beaucoup de dégâts du coup sur la zone. Et c'est très très bien. Franchement je kiffe. Hein. Bon, arrêtez d'en mettre plus quand même hein, parce qu'on a beaucoup de soleil. Donc autant mettre plus. En plus ce qui est bien c'est qu'il vraiment il quand il n'y a pas de zombies, ils détruisent directement, enfin ils essayent du coup de détruire toutes ces tombes. Et ça c'est bien, franchement, c'est une très bonne utilité des plantes, comparé au premier. T'es vraiment obligé d'utiliser l'explorateur de tombes. L'éclateur de tombes, pardon. Maintenant, plus vraiment obligé. Et ça c'est bien. Parce que l'éclateur de tombes, on en a besoin sur ça, sur ce monde-là, et le monde aussi du... Comment dire du Moyen-Âge, voilà. Parce que le Moyen-Âge, il y aura des tombes et tout, ça sera que la nuit, du coup on retrouvera là-bas nos amis les champignons, hein. J'espère. Et c'est bien stylé. Ah oui, merde. Bon bah je vais du coup vous montrer, hein, voilà. En direction, voilà. Bon j'avoue, c'est pas tellement utile là. Surtout que là, on a quasi rien. On va vite utiliser celui-là. Voilà, magnifique. Hein.
Bah, les tempêtes de sable, t'as le zombie qui arrive comme ça et tout. On a entendu la dernière vague, donc c'est pour ça. Hop. Hop. J'en garde un quand même au cas où à la fin. C'est mieux. Bah, c'est vraiment mal à tout le monde. C'est un bordel. Je vais mettre un ici. Un là. Et au cas où, je mets une petite mine si il détruit le truc. Bon, largement quoi faire. Ce qui est bien, c'est que c'est le même canon de tir. Par contre, le temps pour que ça arrive, c'est un peu plus compliqué. J'avoue. Bon, là, nous avons du coup débloqué le boomerang Flora qui coûte 75, mais est quand même assez utile, hein. Tiens, je suis en déjà une. Bon, je pense que là, au niveau du temps, on est bon là. Ouais, 25, on va s'arrêter là. Bon, oui. Ah oui, du coup, j'ai gagné ça. On va l'ouvrir. Ça, c'est long. Bah, de toute façon, on est obligé de le faire, donc autant le faire. Hein. Terminé, voilà. Il nous reste encore du coup après 5 niveaux pour débloquer la clé du monde. Qu'on pourra du coup dans le prochain épisode. Enfin, si je peux, hein, bien sûr. Hein. Rien n'est dit que c'est encore faisable. Des pièces, et voilà. Là, j'ai. Voilà, c'est que 3 directs. Du coup, je peux l'améliorer, voilà. Ah, et aussi la noix, ça c'est important. Surtout quand tu mets l'engrais sur une noix, ça je vais pas encore montrer, mais ça permet de faire encore une barrière en métal. Ce qui est encore mieux du coup pour la résistance de la noix. Mais après, tu peux le remettre, le truc en métal, quand tu veux sur la noix. Super cool. C'est trop génial. Bon, là ils vont nous demander d'améliorer la plante, si je me souviens bien. Non? Allez, voilà, qu'est-ce que je vous disais. L'almanach là, voilà ça. Le livre qui permet du coup de pour nous d'augmenter les plantes. On peut aussi augmenter les plantes quand nous sommes, comment dire, dans le menu pour bah, sur une partie, tout simplement. On peut aussi voir les zombies que nous avons rencontrés. Ça c'est très très bien. Hein. Du coup, la charge est encore plus rapide, les dégâts améliorés et la robuste. Ce qui veut dire que la plante mettra plus de temps à être détruite s'il y a un zombie qui passe dessus en fait. Tout simplement. Donc il y a un avantage. Accéder au monde. Voilà. Et là, il faut accéder au monde, tout simplement. Qui est? J'ai dit qui est? S'il vous plaît, ici. Pour améliorer vos plantes. Voilà. Bon, là, je pense que c'est bon au niveau du tuto, là, de l'intro. Je pense que c'est bon. Oui. Voilà. C'est pour la bug un peu. Ok, on va améliorer du coup ça. Voilà, c'est parti. C'est vraiment juste robuste, hein, je vois rien. Élevé. Ça c'est bien parce que comme ça la noix elle mettra avoir plus de temps de détruite. Ça c'est cool. Regardez toutes les plantes qu'il y a. Et elle peut se débloquer avec des gemmes. Voilà, 100 gemmes par exemple, jalapeno. L'écraseur. Le champignon. La noix à pois qui n'est pas dans le vin. Il y a beaucoup de plantes qui ont été amis, qui ont été mises dedans. Le cactus, il a bien changé de gueule, hein. Il est même payant. Quand vous voyez les trucs qui sont avec des cadenas, c'est qu'elles sont payantes en fait. Ouais, tout simplement. Je joue. On peut pas aller en bas là comme ça, non? Bah, typiquement, si. Ah, si, comme ça, même. Bah, y a pas moyen. Y a un bug là. Y a un petit bug là. Je crois qu'il y a un bug là. Bah, si on choisit celle-là. Non, ça bug vraiment. Bon, on va voir les zombies. Ah, le seul zombie qu'on a rencontré, c'est ceux-là. Voilà. Et ça, c'est les trucs de boost et tout. Voilà, tout qu'on a sur la carte et tout. Voilà, au calme. Voilà, je vous ai à peu près tout montré, quoi. Pour le début du jeu. Hein. Tu peux avoir des gemmes gratuites, des pièces gratuites, hein. Sinon, c'est un truc capable de les avoir directement. Donc, je vais juste vous montrer. Merde, je voulais pas faire ça. C'est un vrai truc. Je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez tous les mondes qu'il y a? Il y en a énormément. Donc, là, je les ténèbres, c'est ça que je vous parlais. Et ça, j'ai jamais pu y aller. C'est quand même intéressant.
Et oui, des trucs et tout. Ça, c'est quoi? Truc pour acheter ça? Oui, voilà, c'est des trucs électro-pistons pour attirer des poids électriques. C'est trop stylé. Sac de graines de noix. Ah, je peux l'avoir. Ouais, vas-y. Ah, c'est bien ça. Ouh, la grande noix. Attention. Oh, déjà niveau 10. Oh putain, c'est bien. Elle tourne la noix. Oh là là. Oh, bah, on peut aller un peu pas l'avoir, hélas. C'est un peu triste, hein. Ils nous mettent des trucs sur des plantes qu'on peut même pas avoir. C'est un peu hard, hein. Ah oui. Ça, je veux bien. Ça, l'infini, voilà. L'infini noix, j'appelle la noix du futur, parce qu'elle est trop stylée. Ah, mais, oh putain. La noix préhistorique, c'est trop stylé. Putain, c'est trop bien. Oh putain, mais mec, c'est trop cool, hein, combien? T'as déjà passé niveau 3? C'est génial. C'est trop cool. Ah oui, quand même, c'est bon. Ça avait beaucoup trop là. Voilà. Il y en avait énormément. Putain, les trucs comme ça, c'est un tout le temps. Mec, je suis pas déçu, hein. Voilà. Oh, des sacs de bombes cerises? What the fuck? Vous êtes sérieux? 20 sacs de graines de plantes et tout là. C'est des plantes, ça? Allô? Et voilà. Ah, ouais, c'est les plantes là. Mode solaire, alors ça je ne connais pas. Il y a plein de plans qui ont été rajoutés, hein. Mais elles sont tous payantes, hélas. Même la nitro quoi, tu sais. Explose une fois mangé, c'est marrant. Même la carambole, elle est payante. Après, ouais, vous voyez qu'il y a d'autres plantes qui se débloquent avec des gemmes. Ah non, celle-là avec des gemmes. Bon, bah ça va encore. Hein. Celle-là, c'est bloqué avec des gemmes. Ça peut encore être rentable. Les pièces, évidemment, c'est payant. Et ça, on peut les avoir en payant. Voilà. Et ça, c'est des trucs de pack et tout. Et puis voilà. Après, on peut gagner des gemmes gratuites aussi, donc je veux pas non plus dire non, hein. Donc voilà, je vous ai à peu près tout montré, je pense que ça va faire 30 minutes là. Ouais, voilà, 30 minutes. Bon, sur ce, j'espère que le premier épisode de la série Splendid vous a plu, à plus tard pour d'autres vidéos. Bye bye!